Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargne-étude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et c'est avec émotion que je vous présente aujourd'hui le 30e et dernier épisode de la saison 2 du balado à la hauteur de nos tout-petits. J'aimerais d'abord vous dire merci. Fidèles auditeurs, auditrices qui êtes là épisode après épisode, qui prenez le temps de m'écrire, de me partager vos états d'âme familiaux, vos questions, vos envies pour la suite du projet. Merci d'être là, merci de le partager. C'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci à tous les professionnels qui ont participé si généreusement à cette deuxième saison. Merci pour votre confiance, ça me touche énormément. Merci à Kaleido, le régime épargne-étude qui en fait plus, et c'est vrai. Hein? Il s'implique comme ça financièrement dans la propulsion d'un balado grand public qui s'adresse aux parents de tout petit. Merci pour votre confiance renouvelée. Merci à Sylvain Berger-Thibault du studio 706 pour la musique, le montage. Faut comprendre que 30 épisodes comme ça avec 30 coups de cœur, c'est énormément de temps. Lui qui est pour une deuxième fois papa. Alors merci de ton temps. Et cette semaine pour le dernier épisode, j'ai voulu parler d'un sujet important. On en a parlé un petit peu tout au long de la saison, hein, de l'importance de connecter. Eh bien, cette fois-ci, l'été, je pense que c'est un moment propice à la connexion. Connexion avec vos enfants, avec votre coparent. Mais moi, j'aimerais vous inviter à connecter avec vous-même. Juste prendre le temps, des fois, là, de respirer, de se recentrer. Est-ce que c'est par la lecture d'un livre, écouter une vidéo, méditer, aller simplement s'asseoir à l'extérieur puis respirer. Bref, trouvez votre façon à vous et prenez ne serait-ce que quelques minutes pour connecter. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Cette semaine, j'en discute avec Stéphanie Deslauriers, qui est psychoéducatrice, Benoît Maringuer, qui est neuropsychologue, et dans le segment Coup de cœur, je reçois Julie Saint-Cyr, qui est directrice du développement des affaires et planificatrice financière chez Kaleido. Elle va nous parler justement de l'offre d'accompagnement de Kaleido qui passe du tutorat au balado, au webinaire privilège, à la télémédecine. Bref, vous allez voir, c'est vraiment une offre d'accompagnement qui est très, très, très complète. Parce que vous le savez, hein, le but, c'est qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Stéphanie, Benoît, bonjour. Bonjour, Maggie. L'été, ce moment... On dirait, on en rêve, hein, nos vacances, ouais. on travaille, puis on se dit, ah, les vacances s'en viennent. Les enfants, des fois, rendus en mai, juin, ah, oh, à quand les vacances, maman, papa, on est un peu fatigués. Et on rêve parfois comme parents de belles vacances, là. On entend le bruit des vagues, on prend notre petit verre de vin, le chaud soleil et les enfants qui jouent en harmonie. Finalement, c'est pas ça du tout. On finit par boire le verre de vin en cuisinant avec d'autres choses, les enfants qui crient en arrière. Bon, moi, j'appelle ça le chaos sympathique. Hein? Mmh. Il y a quand même une forme de chaos, je pense, avec lequel on apprend à danser comme parents. Mais n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie de se donner peut-être des outils, des stratégies pour tenter de connecter. Parce que je veux dire, l'été, me semble, même les vacances d'hiver, de Noël, la relâche, ce sont des moments importants où on peut se permettre de mettre la routine un petit peu de côté, puis de développer, d'être une équipe avec nos enfants. Donc là, j'aimerais vous entendre premièrement sur la routine. Est-ce une bonne idée on va appeler ça les vacances, de la mettre 100% aux poubelles ou pour garder un petit peu de prévisibilité, ça serait peut-être bien d'avoir une base? Absolument! Parce que c'est ça, en fait, je t'entendais en intro puis je me disais, ah oui, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui fantasment sur le « on n'aura pas de routine, ça va être merveilleux », mais on sent que les enfants vivent un déséquilibre à ce niveau-là, puis parfois même nous aussi comme adultes. Alors, est-ce qu'on peut se garder une certaine une certaine prévisibilité qui est rassurant. Minimal au moins un cadre, OK. Absolument, un certain cadre qui demeure pour garder une certaine harmonie, un chaos contrôlé. Mm. Donc, on se garde des choses comme ça qui font du bien. Et là-dedans, on peut improviser aussi. Peut-être avoir plus de choses qui sont spontanées. Peut-être que ça peut être ça également. Improviser parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on n'a pas à se lever tôt demain, parce que, bon, on n'a pas d'obligation professionnelle aussi.
Mais oui, moi, je serais team, mais gardons-nous un petit cadre. Un minimum de cadre, oui. Surtout avec certains types d'enfants, mm-hmm. par exemple, ceux qui ont un TDAH, mm-hmm. ils ont besoin de ce cadre-là, sinon ils débordent de tout bord, de tout côté, ouais. et eux-mêmes ne filent pas bien quand il n'y a pas de cadre et de structure. Les enfants anxieux également ont besoin du cadre et de la structure pour rendre, ce qui, en fait, rendre les journées prévisibles. Mm-hmm. C'est sécurisant pour eux, c'est apaisant, ça évite de générer des stress qu'ils n'ont pas besoin de gérer, ces jeunes-là, ouais. qui ont une base anxieuse. Les enfants également qui sont plus opposants ont besoin de ce cadre-là parce qu'eux vont avoir tendance à le défier, le cadre, là, puis à pousser au-delà. Tester la limite. C'est bien de le relâcher un peu. Ça leur fait du bien de relâcher un peu le cadre. Il doit en rester un parce qu'il doit, le parent doit quand même rester le parent. Le cadre doit rester le cadre. Ouais. Sinon, ça va être dur qu'on va recommencer à rentrer. Là. Et quand on parle d'un minimum de routine, est-ce qu'on peut revenir, là, je vois la pyramide de Maslow, mais aux besoins de base du genre... conserver les repas et les collations sans que ce soit heure fixe, mais quand même environ, disons, plus ou moins une demi-heure, l'heure du coucher, bon, ça peut arriver un soir qui se couche plus tard, mais clairement, si on les couche à 9h, 9h30 tous les soirs de l'été, pas sûr que c'est une bonne idée. Là. Non, dépendamment de l'âge. Ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que outre l'heure, est-ce que ça peut être la séquence qui va rester? Okay. Fait que oui, l'heure peut bouger parce que là, on s'en va chez ma tante Maggie ou on s'en va exactement, on a quelque chose de prévu, on va voir un spectacle, on va voir les feux d'artifice, peu importe. Donc ça, ça va bouger, mais la séquence reste somme toute la même. Ça, c'est rassurant. T'sais, Benoît parlait des types d'enfants qui ont peut-être plus besoin de cette structure-là. Bon, je vous parlerai aussi des enfants autistes, hein, pour qui ça va être très, très, très important également. Fait que je pense que ça serait ça, mon petit. OK. Fait que des fois, à vouloir faire voler la routine pour se dire « Ouh, je me sens flyée », bien, finalement, c'est ça. On s'achète pas de la détente. Non, il y a beaucoup de pots cassés à ramasser. Ouais, ça peut nous retomber un peu sur le nez, là. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Mais ce que je lisais, puis c'est une approche, entre autres, que Nancy Doyon met de l'avant dans son livre, que j'ai lu aussi, Benoît, dans ton livre, le fameux parent leader. Je pense que c'est un rôle qui est important à tenir aussi avec nos enfants, de montrer que, regarde, on est le parent, let's go, mais en même temps, un bon leader, il faut que les gens le suivent, tu sais, parce que je veux dire, des fois, comme parent, faut pas tomber dans le parent géo, mais bien le parent leader. Comment on fait? Ce qu'on veut installer à la maison, là, c'est ce qu'on appelle une autorité légitime basée sur la confiance. En fait, il y a deux façons d'avoir une autorité légitime. Une autorité légitime, c'est quelqu'un, une autorité qu'on veut suivre ou qu'on accepte de suivre. Une première autorité légitime, c'est comme la police, c'est qu'on sent qu'on n'a pas le choix. Ouais, c'est la contrainte, on ne peut pas payer l'autoritarisme. Là, on est obligé, là, on n'a pas le choix de la suivre, cette autorité-là. Donc, ça, c'est une première autorité légitime. Une deuxième autorité légitime, c'est sur celle-là qu'on veut tabler, c'est celle qui est basée sur la confiance. Et quand notre jeune a confiance que son leader, le parent, que son leader prend les bonnes décisions et installe le bon cadre pour son développement à lui, au jeune, et qu'il est présent, ce parent-là, et bon, il y a un ensemble de, si on veut, de règles ou de critères pour bâtir cette autorité légitime, bien l'enfant, là, il va accepter de suivre l'autorité même quand les demandes ne lui plairont pas parce qu'il comprend que c'est la bonne autorité pour lui, pour son bien à lui. Il va même accepter de suivre l'autorité quand il sait qu'il ne sera pas pris, pas par peur de la punition qui suit l'autorité, là, mais par confiance puis parce qu'il sait que c'est la bonne chose à faire. OK, c'est comme le rêve, mais même, j'entends autorité légitime, je pense même aux entrepreneurs avec leurs employés. C'est tellement ça. Puis tu sais, leadership... Tu sais, la carotte de la motivation extrinsèque de dire tu vas avoir ton boni si tu fais tes heures, ça fonctionne un bout, mais à un moment donné, quand dans notre tête, on se dit le maudit boss que je l'haïs, ça donne rien. Les premières recherches d'autorité légitime ont été faites là, en entreprise. C'est ça, hein, en business. Exact, en business. Puis c'est le fun parce qu'il y a deux grandes entreprises, là, Google puis la Banque Royale du Canada, qui sont pourtant tellement différentes. Hein? Google, des jeunes milléniaux, puis la Banque Royale, là, des messieurs en cravate qui font des placements. Donc, puis ils ont fait la recherche à savoir, selon leurs employés, quels sont les 10 critères qui établissent une autorité légitime chez leur leader. Et ils sont arrivés à peu près à la même chose dans ces deux entreprises-là. C'est fascinant, quand même. Ouais, par exemple, des choses comme ça prend quelqu'un qui est bon en communication. Ça prend quelqu'un qui supporte ses employés. Ça prend quelqu'un qui est capable de mettre les mains à la pâte, même s'il est leader, de régler sur le terrain. Les problèmes qui se produisent. Il ne va pas juste déléguer puis dire faites ceci, faites cela. Ou mettre la faute des autres. Ouais. Il est compétent lui aussi pour gérer ce que l'employé n'arrive pas à gérer à un moment donné. Donc, c'est une ressource. C'est un modèle qu'on regarde de façon qu'on a envie de suivre. Puis qui est impressionnant. Donc, ils ont une série de critères comme ça. Il y avait les valeurs aussi, je pense, hein, les valeurs qu'on trouve inspirantes puis auxquelles on a envie de se coller. Donc, quelqu'un d'inspirant, effectivement. Oui, on avait ça aussi, absolument. Mais OK, mais là,
comme parents, là, je veux dire, clairement, nos enfants, des fois, on le voit dans leur regard qui nous trouve vraiment poche. Un peu ringard. Oui, tout dépendamment, des fois, bon, de la façon dont on va réagir à quelque chose, mais comment on fait pour se positionner en leader dans notre propre famille? Ben, tu sais, je te dirais, une des bases, tu en parlais par rapport à l'entreprise, tout ce qui est communication, tu sais. Comment je communique avec mon enfant? Est-ce que je suis vraiment à l'écoute? Est-ce que j'ai une absence de jugement? Est-ce que moi aussi, je suis capable de communiquer, de parler, de partager? Là, on s'entend, mon enfant ne va pas devenir mon psy. Non, mais est-ce que je suis capable de partager certaines choses avec mon enfant, lui rappeler soit des souvenirs, des expériences que j'ai déjà vécues en ce sens-là pour qu'il se sente compris, qu'il se sente moins seul? Est-ce que ça pourrait aller à, justement, aussi être capable de s'asseoir nous-mêmes dans le carré de sable, d'être un peu sale, de faire des trucs? Tu sais, pas toujours être comme le parent. Oui. Supervision, là, être capable... T'en parlais avec le gestionnaire, de mettre les mains à la pâte. Bien, un peu ça, on fait de la peinture, puis quand on s'allie un peu, De participer activement, jouer avec eux. Fun. Ayons du fun. Est-ce qu'on peut parler de... Parlons de ça. Parlons du fait d'avoir du plaisir dans notre rôle parental. C'est parce que je pense tellement des fois, justement, aux vacances. Là. Exemple, un parc d'attractions. Mm-hmm. On le sait, ça coûte cher. Mm-hmm. Fait que là, quand on est là, on veut maximiser notre temps. Il y a des files d'attente. Ça génère un petit peu de colère. Ça va générer plein d'émotions. Fait que des fois, on sort de là, puis on n'a pas eu tant de fun. Ça a coûté cher, c'était long, il faisait chaud, il y avait plein de choses. Donc, je dis pas de plus en faire, mais est-ce qu'on peut des fois peut-être quoi revenir dans le plaisir simplement à aller nager dans le lac, se lancer de l'eau? Dédramatiser, hein? Dédramatiser ces situations-là quand on est en vacances, parce qu'on reste comme parents souvent dans le stress du quotidien, dans le « il faut ». Hein, puis ça, c'est notre job. Là, quand on est au travail, il faut. Il y a des choses qu'on doit rencontrer. Puis aussi, avec les jeunes à la maison, il faut qu'ils fassent leur devoir. Il faut qu'on soupe avant telle heure, ils ont faim. Alors, il y a plein, un paquet de « il faut ». Puis on arrive justement en file au parc d'attractions, puis on est encore dans le « il faut ». Il faut le faire, ce manège-là. Ouais. Il est super important. Oui, moi, j'ai vu là, les reviews, c'est le meilleur. Il faut en profiter, il faut avoir du plaisir. Oui, mais c'est vrai, des fois, on est un peu de même. J'ai mangé à ce restaurant-là. Là, j'ai lu les reviews, puis c'est lui le meilleur. C'est ça, mais il n'y a pas de place aujourd'hui. Il n'y a pas de place, on est en file. Et là, c'est une demi-heure d'attente. Et là, oh, c'est fâchant. Et tous les « il faut » comme ça, qu'on a encore en vacances, ben ça ruine un petit peu nos vacances. Si on peut être dans le moment présent, dans l'appréciation de quoi on peut profiter à ce moment-ci, sans d'obligation, sans de « il faut », puis je veux dire, il y a peut-être que trois restaurants plus loin, il y en aura un autre et on passera un bon moment en famille. Ouais. Oui, hey, ce que tu dis là, il y a quelques années, avec mon beau-fils, son papa, on était à New York. Puis l'hôtel était un peu laid. Bon, ça, c'était pas les reviews que t'avais vues. Ça arrive. Ben, tu sais, on le savait un peu. Bon, on était quand même un peu déçus. Et là, moi et son père, on est comme... Hein? Puis tu sais, ça mine notre plaisir puis notre moment présent. Mais là, moi, je vois mon beau-fils qui a 7 ans à ce moment-là puis qui joue avec ses Pokémon sur le lit un peu laid, mais qui a tellement de plaisir et qui s'en sort. Lui, il s'en couvre-lit défraîchi. Puis j'étais comme, mais c'est ça les vacances. On est venu pour ça. Ses Pokémon sur le lit. Oui. Le nouveau lit dans une chambre qui n'est pas parfaite. Exactement. Fait que de enjoy puis peut-être diminuons nos attentes. Eh oui. Est-ce qu'on pourrait se dire la phrase, c'est-tu si grave que ça? Ah, oh, on peut tellement dire ça. OK. Parce que des fois, on dirait, puis je trouve qu'avec les il faut que, tout devient comme 10 sur 10 là, en termes de priorité, mais à un moment donné, on peut-tu... C'est correct qu'il en reste des 10 sur 10 pour notre sécurité, tout ça, mais relativisons nos attentes, nos demandes, nos... Parce qu'après ça, on trouve que nos enfants sont exigeants, mais c'est un peu le modèle qu'on leur donne aussi. Oui, puis tu sais, j'ai envie de te dire, dans nos activités qu'on choisit, soyons honnêtes, pour qui je l'ai choisi cette activité-là? Ah, des fois, c'est pour nous. Oui, bien solide. Mais si c'est pour nous... Hey, c'est tellement instagrammable, un parc d'attractions. Ah, pas mal plus qu'un couvre-lit défraîchi. Mais tu vois, j'ai une amie qui est allée... Je pense j'ai pas une telle affaire de lumière, là, donc il faut y aller quand il fait noir pour que ça soit beau. Ben, Et elle va avec sa grande de 10 ans, puis elle est comme, « Steph, j'ai vu des parents avec des enfants de 2 ans, mais il est rendu comme 9h30 le soir. » Et ça devait pas être le fun. « Tu peux plus te vivre, là, tu sais, je comprends, moi, avec. » Elle disait, « J'ai envie d'être dans mon lit. » Bref, ça, c'est une autre histoire, mais... Ouais, est-ce qu'on peut avoir des activités adaptées? Puis si c'est pour toi, puis que l'activité, c'est à 10 heures le soir, c'est cool. Hey, mamie, hey, mon oncle, tu peux-tu venir regarder? Moi, j'aimerais s'en profiter. Puis après ça, on choisira d'autres activités pour les enfants.
mais ouais. on peut aussi se permettre de penser à soi en vacances puis de choisir des ouais. activités pour nous-mêmes. Oui, dans le planning, peut-être essayer d'équilibrer ouais. hein, un peu pour soi, mm-hmm. en couple, faudrait peut-être pas oh, oublier, ouais. et en famille. Puis en même temps, là, les enfants, d'aller passer des fois 2-3 jours chez mon oncle, ma tante, papi, mamie, c'est une belle vacance aussi Absolument. Pour tout le monde. ah, tellement important, en fait, de se garder du temps aussi dans le couple, mm. puis de recharger les batteries du couple ouais. Pour ensuite pouvoir intervenir avec les enfants, là, hyper important. Mm. Absolument. On parlait tantôt de la fratrie. Comment favoriser un esprit, je ne sais pas si on peut appeler ça un esprit d'équipe, un esprit familial, tu sais, on dirait là, qu'il y a des enfants, c'est sûr qu'ils ont chacun leur tempérament, mais ils sont comme nés un petit peu en confrontation. On dirait qu'ils n'arrivent jamais à s'entendre. Puis là, tu te dis, mais coudon, qu'est-ce que j'ai ça, fait? Ça, c'est quelque chose que j'essaie de véhiculer, qui est super important pour moi, l'idée que la famille est une équipe. Mm-hmm. Et vu que j'ai répété à mes enfants et que je propose aux familles de répéter à leurs enfants. Je prends des notes. Ouais, ça, voilà. Et dans une équipe, les succès, même individuels, ont une répercussion sur toute l'équipe. Mm-hmm. C'est toute l'équipe qui gagne et qui perd. Quand on a des joueurs de hockey, là, si on en a un qui connaît une super bonne saison de 50 buts, ben, ça va faire gagner l'équipe. Absolument. Mais si on a un gardien qui a une mauvaise saison, lui, ça va faire échouer l'équipe également. Mmh. Alors, tous les succès individuels sont également des succès collectifs dans une équipe. La famille, c'est la même chose, qu'on s'en rende compte ou pas, là, c'est une équipe également. Par exemple, l'enfant qui... tiens, les deux frères là, qui sont tout le temps en train de se picosser puis à faire fâcher l'autre frère, là. Il y en a un qui commence à devenir plus colérique pour ça, parce qu'il est tout le temps en conflit avec son frère. Il arrive à l'école, il y a aussi des comportements colériques avec les autres enfants. Mmh. Un bon soir, les parents doivent aller à une réunion de parents parce qu'un des enfants n'a pas été gentil. Mmh. Ben, ce soir-là, ils ne pourront pas aller conduire l'autre à sa game de hockey. Mmh. L'autre échoue également à aller au hockey. Une méchante spirale, hein? Et voilà. Alors, on a l'échec de l'un à l'école crée l'échec de l'autre à ne pas pouvoir aller à sa game de hockey. Alors que si, dans une famille, on se valorise et on se monte tout le monde ensemble et qu'on se... On s'élève, voilà, exactement. Les succès de l'un favoriseront les succès de l'autre et tout le monde va avoir des succès en famille. Il y a une petite phrase qui dit qu'une famille, c'est un tout, puis que le tout, c'est plus grand que la somme de ses parties. Voilà. Fait que tu as chaque individu, mais tu as toutes les relations intrafamiliales aussi. Ouais. Fait que oui, tes relations fraternelles, mais la relation maman avec tel enfant, papa avec tel enfant, le couple, tout ça, fait qu'il y a tous ces sous-systèmes-là à considérer. Oui, c'est ça, qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que je trouve que des fois, dans le quotidien, ça peut arriver qu'on perde ça de vue. Et sans le vouloir, parfois, comme parents, on est injuste aussi. On va avoir tendance à... Disons qu'il y en a un qui a plus de succès, je veux dire, à l'école que l'autre. Ouais. Ben, on va valoriser, puis là, l'autre, ben, on va peut-être moins valoriser ou on va avoir tendance à être comparer. Un peu plus sur son dos, comparer. Ouais. Mais comment on peut faire pour sortir de ça? Parce que j'ai l'impression que des fois, on le fait sans même s'en rendre compte. Ah, c'est super important que chacun de nos enfants ait une identité unique à la maison et qui leur appartient. Alors, si on en a un qui est bien, bien bon en français ou en maths à l'école, bien ça, c'est son identité. L'autre, peut-être, qui sera bien, bien bon en hockey ou en patin ou en ski ou en piano ou en peinture. Mais pas les comparer, genre, ah, lui, il est bon en français. Ah, lui, moins. Hein? Lui, c'est autre chose. Tu sais, c'est parce que des fois, quand on les décrit aussi, on a tendance à amener ça. Non, on va plutôt essayer de valoriser effectivement ce que chacun fait, mais de sans faire la comparaison. Ce qu'on peut valoriser aussi dans la personnalité d'un enfant, on peut avoir, tiens, ça, c'est notre petit comique à la maison. Oh, une chance qu'on l'a, là. Lui, il est tellement drôle. Il met de l'ambiance. Il fait... C'est ça. Oui, parce qu'en évitant de comparer puis en accent sur donc les aspects qu'on aime, les aspects positifs, les aspects agréables, ben l'enfant ne se sent pas en compétition avec l'autre et dit, ben moi, je suis pas drôle. Mais non, mais toi, t'es telle affaire. Parce que moi, ça nous arrive des fois, on va valoriser un enfant, mais des fois, on parle pas à l'autre, là. Je dis n'importe quoi, là, on va dire à ma grande, mettons, je sais pas, il est arrivé telle chose, bravo, da-da-da. Puis là, j'entends, mettons, mon fils faire, ah, mais moi, je suis pas comme ça. Ouais, mais je te parlais même pas, je veux dire, ça pas. Puis là, on essaie de lui expliquer que c'est pas parce que ton frère ou ta soeur sont bons dans quelque chose que t'es inversement proportionnel, tu sais, que toi, t'es pas bon dans d'autres choses. Mais est-ce que ça se peut qu'il l'entende? À ça, qu'est-ce qu'on devrait répondre? Lui trouver une qualité à lui propre? Je répondrais, ben une chance que t'es pas comme ça. Ah. J'aime ça t'avoir, toi, comme tu es. Ton unicité. J'aime qui toi tu es, comme j'aime qui ta sœur est. Puis ta sœur, c'est ça qu'elle fait de bien, mais toi, une chance que t'es pas pareil. Je comprends. Et de valoriser le fait que c'est parfait de pas être pareil. Ben oui, c'est ça, c'est vrai que c'est ça qu'on veut. Puis en même temps, moi, j'avais de la misère parce que je me disais, ben voyons,
je t'enlève rien, là. Je veux dire, je parlais à l'autre. Ça, c'est la rationnelle. Mais oui, la rationnelle était comme, ben voyons. Non, mais lui, son émotion, c'est ça, à ce moment-là. Ben oui. Ah, ben là, j'ai pris des notes, là. Je vais faire ça dans parce que pour vrai, je comprenais pas. J'arrivais pas. On le disait dans un autre épisode, il faut arriver aussi nous-mêmes à se connecter à notre propre senti pour accueillir ce que vivent nos enfants. Mais là, des fois, en vacances, on fait de la voiture. Ouais. La voiture, c'est un lieu très propice au chamaillage. Pas nécessairement des chicanes, mais chamaillage. Tu sais, le jeu du regarde-moi pas, là. Regarde-moi pas, il m'a regardé. Il reste même que moi. Ouais, c'est ça. Il est trop proche. Mais on n'a pas non plus envie, des fois, de toujours dire, regarde, on met la tablette. Je suis d'accord que si on fait 10 heures de route, à un moment donné, on peut la mettre, c'est correct. Mais ça serait le fun, des fois, de pouvoir sortir de la maison puis juste qu'ils s'entendent sans avoir à utiliser des outils extérieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Est-ce qu'on doit justement préparer des jeux? Je me souviens quand on était petit, nomme le premier qui voit la voiture bleue. Bon, ça peut être une solution. C'est une bonne façon. Ça met une ambiance qui est agréable dans l'auto. Moi, je le faisais avec mes enfants. Là, la voiture bleue vaut 10 points, une jaune vaut 50 points. Oh, wow! Ah, ouais, okay. Si quelqu'un voit un arbre, il perd 50 points. Puis là, je disais, ah, un arbre! Ah, non, j'ai perdu 50 points. Là, les enfants trouvaient ça hilarant. Mais oui! Et on partait comme ça. Puis là, je me retrouvais à moins 200. Puis les autres non. Avaient... Oui, c'est ça. on peut s'arranger. Comme parents, quand même. C'est drôle. Donc, le fait, tu sais, quand on disait tantôt, tu disais mettre du fun dans notre rôle de parent, ça, c'en était du fun. Ben ouais, c'était juste niaiseux, mais les enfants trouvaient ça, ils étaient crampés à chaque fois que je voyais un arbre et que je perdais 50 points. Ben oui, c'est clair. Clair. Ça peut peut-être dédramatiser parce que là, je riais un peu avec l'exemple du regarde-moi pas, mais ça arrive tellement souvent. Puis c'est parce qu'à un moment donné, là, ça devient une escalade. Puis là, les enfants, ben là, ils s'embourbent là-dedans. Là, nous, comme parents, on n'est plus capable des enfants de crier. Ça fait que là, le niveau d'anxiété. Moi, ce que j'aime bien, tu sais, d'y aller peut-être en prévention. Bon, là, on a beaucoup de voitures à faire, hein? Fait que là, on peut avoir telle activité, tel jeu, tel ci, tel affaire. On se prévoit, on planifie. On peut donc se projeter. Et aussi de dire, bon, mais on le sait des fois quand on prend la route longuement, il y a des petits conflits. Fait que comment est-ce qu'on pourrait faire pour gérer ça si ça arrive? Le nommer avant même ben avec les enfants. Dans le fond, les inclure dans cette recherche de solutions-là. C'est ça qui est prenante là, de l'équipe. Absolument, parce que quand on est dedans puis que nous autres, on a la fumée qui nous sort par les oreilles puis qu'on est déjà plus capable, bien, on fait juste ajouter de l'huile sur le feu puis il n'y a rien de comme constructif qui ressort de ça. Alors que si on a déjà prévu, hey, tu sais, ce dont on s'était parlé, ça serait un bon timing pour appliquer ça, là, gang. Ça peut désamorcer peut-être certaines choses. Un petit appel à l'empathie aussi, tu sais, de, hey, toi, quand tu demandes d'avoir ta bulle, t'aimes ça qu'on respecte? Fait que peut-être que là, on pourrait respecter la demande de ton frère ou de ta sœur aussi. Qu'est-ce que t'en penses, t'sais? Ouais. Ah, ouais, prévoir d'avance, c'est une excellente idée, effectivement. Et les enfants sont aussi très suggestibles. Alors, utilisons ça à notre à bon escient ou pour nous. Très suggestible peut ressembler à quelque chose comme, ben, on le nomme, hein, comme tu disais. Donc, des fois en auto, c'est plus difficile. Des fois, il y a eu des chicanes. Alors là, vient la suggestion. Mais là, vous avez grandi d'un an par rapport à l'année passée. Hein. Je remarque à quel point vous vous entendez bien ces temps-ci, puis que ça va bien, puis que vous êtes capable d'avoir du fun ensemble. Puis ça, mon Dieu, que je trouve ça le fun, puis que je vous trouve beau quand vous faites ça, puis que vous avez... Tu sais, vous entendez bien ensemble. Ouais. Alors, on suggère qu'ils sont rendus bons, qu'ils s'entendent bien. OK. Puis là, d'après moi, grand comme vous êtes maintenant, il n'y en aura pas de chicane cette fois-ci. On installe un espèce de climat déjà de plaisir. On est heureux, on les valorise avant même. Puis de confiance. Tu sais, puis de dire, hey, puis tu sais, justement, dans la dernière année, quand c'est arrivé certains conflits, ça a été quoi les stratégies que vous avez mis en place? Parce que ça semble avoir bien fonctionné. Fait qu'on peut, OK, on a ça dans le petit coffre à outils. Au cas où. Ma fille a dit ça. Au cas où. Au cas où. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ça aussi, c'est très empowering de dire, OK, je suis dans ma hotte. Tu sais, puis j'en ai des solutions, j'en ai des stratégies. Ça va bonifier aussi leur propre confiance, puis c'est ça qu'on veut. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est bien d'être un parent les deux. Il faut qu'il y ait confiance en nous. Mais en même temps, on veut travailler l'autonomie. Absolument. Parce que là, j'imagine, si on surgère chaque petite chicanette entre enfants, bien là, on valorise pas l'autonomie. Là. Ça fait partie d'un bon leader de rendre fort et de rendre autonome. Autant en entreprise que dans une famille, le fait de développer des compétences chez un employé, il adore son leader, il devient meilleur. Ben oui, c'est on meilleur. Je suis devenu meilleur grâce à mon employeur ou à mon leader. Là, je suis capable maintenant de faire quelque chose que je n'étais pas capable avant. Et j'ai des responsabilités de plus. Même chose pour l'enfant.
de développer son autonomie et de valoriser « Hey, t'es donc bien rendu un grand garçon maintenant ou une grande fille capable de faire ça que tu faisais pas avant. Hey, toi, t'es capable d'attacher tes souliers maintenant. Viens, montre-le à ton petit frère, là, lui qui l'a pas encore parfaitement. C'est quoi ton truc, toi? Tu l'as tellement bien, là. Montre-moi ton truc. » Oui, on dirait que des fois, on oublie un petit peu. Tu sais, on est souvent dans plutôt l'aspect « fais attention, fais pas ci », où on va intervenir quand les choses vont pas. Mais c'est bien de valoriser quand ça va bien. Oui, tellement, parce que c'est comme si quand ça va bien, ça c'est passe au moins sur le des radar. Choses. Mais oui. Ben, c'est ça qu'on veut. Fait que voilà. Exact. Mais justement, si tu veux que ça se reproduise, renforce ça, mets l'accent sur ça pour que ton enfant ait envie de le reproduire encore, puis de ressentir également la fierté, la joie, la connexion quand on lui souligne ça, tu sais. J'aime beaucoup ça. Alors, on souhaite à toutes les familles qui nous écoutent de belles vacances, mais aussi, je pense, on diminue un petit peu nos attentes. Hein? On veut relaxer, là, faisons un petit peu baisser l'anxiété. Les « il faut que ». Plus de « il faut que ». Est-ce que c'est si grave que ça? Valider notre programme d'activité, peut-être le faire avec les enfants, leur demander ce qu'ils ont envie. Et des fois, on est surpris de leur réponse. C'est pas toujours le parc d'attractions à 500 $. Des fois, c'est une activité bien plus simple, bien plus fun, qui va être pas mal moins stressante. Et entre la fratrie, on prend une petite pause, on les amène à figurer ce qui s'en vient, on valorise ce qui est beau, puis pourquoi pas qu'ils se fassent un petit sac à dos chacun dans l'auto, hein? Chacun son pop-it, là, à un moment donné, quand ça monte trop haut, des fois, ça aide à relaxer. Absolument. Bonnes vacances. Merci à vous deux d'avoir été là. Bonjour, Julie. Bonjour, Maggie. Aujourd'hui, tu viens nous parler de l'offre d'accompagnement de Kaleido, parce que lorsqu'on dit le régime enregistré d'épargne études qui en fait plus, eh bien, effectivement, vous en faites plus. Vous avez vraiment une offre là, qui est complémentaire à votre service de régime enregistré d'épargne études. Oui, effectivement, Maggie. Chez Kaleido, on veut accompagner nos clients au-delà de l'épargne études. Donc, on a créé un service d'accompagnement qui vient complémenter le REI dans le but de soutenir les familles dans les défis du quotidien. Donc, on parle de privilèges gratuits ou à tarif préférentiel exclusif pour nos clients. Donc, on a 5 thématiques. On a la santé et mieux-être, le tutorat en soutien scolaire, le coaching familial, l'orientation de carrière et les finances familiales. Donc, ça tourne, notre offre tourne autour de ces 5 thématiques-là. On voit bien que ce sont des thématiques vraiment qui sont au cœur de la vie des familles, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment se décline l'offre lorsqu'on est client chez Kaleido? Oui, bien sûr. Ceux et celles qui écoutent le balado actuellement savent qu'en tant que parents, on n'a pas toujours toutes les réponses et ça tombe bien parce qu'on vous donne accès à une foule d'experts. Vous en connaissez aussi, Maggie, quelques-unes de nos experts. Oui, j'ai la chance de jaser dans le balado et même d'animer certains de vos webinaires privilèges, entre autres avec Nancy Doyon, coach familial bien connu, Mélanie Bilodeau, l'une des psychoéducatrices, je pense, les plus appréciées au Québec, font partie de votre liste d'experts. Oui, effectivement. Donc, c'est en coaching et vie familiale que ces partenaires-là sont dans notre offre et elles offrent à nos clients des conseils sous forme de capsules vidéo, d'outils à télécharger, des webconférences, des formations à tarifs préférentiels. On peut aussi avoir accès à des consultations individuelles aussi. Et on le sait, les sujets qui touchent les familles, ce ne sont pas toujours des sujets faciles. Est-ce que vous allez même aborder des sujets aussi délicats, par exemple, que la santé mentale? Oui, dans le volet santé mieux-être, nous abordons des sujets tels que l'anxiété chez les jeunes, les troubles alimentaires, la santé physique aussi, avec des partenaires en nutrition et d'autres partenaires qui nous font bouger en termes d'exercice. Donc, tous nos partenaires dans le volet santé mieux-être, on va aller dans ce volet-là là, de plus sensible au niveau de la psychologie des enfants. Mais on a aussi, on sait que les besoins des enfants peuvent être aussi au niveau du soutien scolaire. Donc, notre partenaire Tutorax
offre à nos clients des produits spéciaux et une belle expertise pour différents services comme le tutorat, l'aide aux devoirs, l'orthophonie, l'orthopédagogie, même des cours d'été à tarif préférentiel. C'est extrêmement populaire, Maggie. Les notes augmentent, l'estime de soi augmente également. On a d'excellents commentaires. Ça vient vraiment aider la persévérance scolaire. Donc, on sait que l'accès souvent à des spécialistes, c'est quand même difficile. Les listes d'attente peuvent être très longues. Donc, ça permet vraiment d'avoir accès plus rapidement à ces spécialistes-là à travers nos partenaires. Vraiment de beaux privilèges. Et là, on le sait, la plupart des parents qui écoutent le balado ont certainement un tout petit, mais parfois, on a d'autres enfants un peu plus vieux. Là, je t'entendais nous parler de soutien scolaire. Est-ce que Kaleido offre même des services aux enfants un peu plus vieux, par exemple, qui entrent dans l'adolescence? Oui, oui, absolument. On touche également à l'orientation de carrière. C'est souvent une étape pleine de questionnements pour nos ados et leurs parents. Donc, une conseillère en orientation fournit des conseils, des outils pour aider les jeunes à faire un bon choix de carrière, y voir, en tout cas, trouver un peu, y voir un peu plus clair dans tout ce vaste univers-là. Et Kaleido a produit aussi un balado en orientation de carrière. Ça s'appelle Futur proche et c'est animé par Valérie Chevalier. Mmh. Donc, elle rencontre des professionnels qui exercent des métiers qui les passionnent et c'est vraiment intéressant. C'est une autre façon pour les ados, souvent d'écouter un balado, ça peut être intéressant pour eux versus d'aller rencontrer une conseillère. Et enfin, puisqu'on œuvre dans le domaine de la finance, bien, on trouve aussi qu'il est important que nos clients aient accès à de l'information et des outils pour la finance, les finances familiales, des finances plus saines, finalement. Donc, des aides-mémoires pour les impôts, des outils pour faire un budget, de l'information sur différents véhicules d'épargne. Bref, des conseils pour permettre aux familles de démystifier l'univers de la finance. Oui, par des webinaires, entre autres, animés par des passionnés. J'ai eu la chance d'en écouter un sur comment maximiser son retour d'impôt avec le professeur en finance Yannick Lupien. Donc, vraiment, on sent que votre offre d'accompagnement, elle est globale. C'est super intéressant. Pour nos auditrices, nos auditeurs, s'ils veulent en savoir davantage, où peuvent-ils aller pour avoir les détails là, sur votre offre d'accompagnement? Bien, en commentant pour nos clients, c'est facile. Ils peuvent retrouver là, vraiment dans la rubrique accompagnement sur l'espace client, là, vraiment toute l'information. Pour les gens qui ne sont pas clients chez Kaleido, on peut aussi avoir accès à toute notre offre d'accompagnement sur l'oreiller en visitant kaleido.ca/accompagnement. Et il y a aussi le balado Futur proche, Maggie, qui est accessible à tout le monde sur les différentes plateformes d'écoute en continu ou sur kaleido.ca/balado. D'ailleurs, je vais mettre là à la maison, ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode, également sur les réseaux sociaux d'À la hauteur de nos tout-petits. Vous allez pouvoir découvrir l'offre d'accompagnement de Kaleido. Si vous êtes membre, n'hésitez pas à vous connecter à votre espace membre. Vous allez voir là, tous les services dont vous avez accès avec votre souscription. Merci beaucoup, Julie. Toujours intéressant. À la prochaine! Et voilà, c'est ce qui conclut cette deuxième saison du balado À la hauteur de nos tout-petits. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos suggestions sur la page Facebook ou Instagram du balado. Vous pouvez visiter le www.alahauteurdenotoutpetits.com pour vous abonner à l'infolettre, tout savoir des nouveautés à venir et découvrir des nouvelles sections du site qui sera revampé. Je m'appelle Maggie Bélanger et je vous invite vraiment à aller mettre des pouces, des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée afin qu'on puisse continuer à échanger comme ça ensemble et à partager du contenu de qualité gratuitement. Et vous le savez, c'est toujours dans le but qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!